Photoshop CC includes powerful new features to help you work even better. Get more control over your design with our improved content-aware fill tool powered by Adobe Sensei. Choose which pixels to use in your fills and which to exclude. You can even create fills on separate layers. And turn shapes or text into frames with our new frame tool. Just drag and drop images whenever you're ready and they'll automatically be resized to fit the frame. Now you can paint in a perfectly symmetrical pattern thanks to our new symmetry mode. Then you can choose from preset types like circular, radial, spiral, and mandala. Just choose your axis or axes and the number of segments. We've also made a number of user experience improvements to make Photoshop more intuitive. This includes our multiple undo function, allowing you to go back multiple steps without having to use the history panel. Just Command Z as many times as you need to get back to where you want. And you can work uninterrupted with our new auto commit feature. Your actions like crop, place, transform, and text entry will be automatically committed when you click on a new tool or layer. You don't have to hit return or check the box anymore. Now when you're using blend modes, you can see a preview of each mode on your canvas before you commit to a change. This saves you the time of having to guess and then undo if you don't like the results. Check out all this and more in our new release of Adobe Photoshop CC. Yay! Regardez, on est à la télé. Yeah. On est sur le petit écran là, et on est sur le grand écran là-bas. On a une foule qui est en train de nous observer. On a des gens qui veulent pas savoir quelles images on va diffuser, donc ils regardent le fond vert. Parfait. Et du coup, il y a Cassis qui est en train de se déshabiller. Oh là là. Enlève pas le slip, hein. Non, putain, il va vraiment faire. Oh non, c'est dégueulasse. Ah non, c'est pas possible. Non, faites pas ça. Non, c'est sale. Non, parce qu'on n'a pas le droit de montrer de l'amour. C'est ça. De tout ça, je vous rassure, c'est trop petit, il n'y a rien à voir. Alors, du coup. Bien. Ouais. Bah, c'est-à-dire qu'on n'a pas les rires enregistrés. Tout est hyper spontané. On est tous morts de rire, là. Je vais vous faire un petit partage de mon écran vite fait, nous en petit dans un coin. Je ne sais pas si on a ça en auto-live. On a un truc qui s'appelle le auto-live, c'est magique. C'est quand on, quand on se laisse guider par la route. Et donc, on est toujours au masterclass IAMAG. Il y a quelques artistes qui sont passés avec nous. On a déjà reçu Spart, on a déjà reçu Nicolas Weiss, on a reçu Goro Fujita hier, on a reçu les anciens, parce que j'ai retrouvé Marc Simonetti, Raphaël Lacoste, Jean-Baptiste Monge, et puis il y a les petits nouveaux, le futur. Non, vous êtes le présent. Déjà le passé. C'est déjà le passé. Le film est déjà sorti, tu vois. Le film est déjà sorti. Est-ce qu'il y a un logo Warden Light quelque part ici ou oui, pas? Oui, mais si, c'est le vieux, c'est le vieux logo. Vous avez changé le logo. Mm-hmm. Exact. Donc, je suis avec Bastien et Jessica de Warden Light pendant les masterclass IAMAG. Et vous avez non seulement le vieux logo, mais en plus, vous avez un vieux visuel qui ne correspond pas du tout à votre dernier projet. Ah oui, clairement. Le fameux dernier projet. Oui, mais il ne fallait pas faire de l'ombre à Patrick, tu vois, parce que ça aurait fait doublon avec Spider-Man. Et même sur notre site internet, on n'a pas updaté le logo, tu vois. C'est la preuve que. C'est la preuve que vous avez des trucs à faire. Ce contrôle sur l'image est un peu. C'est là, tu vois, j'avais zappé. C'est mort. Au moins, on a reçu Cassis tout à l'heure qui était complètement à jour. Non, mais tu peux pas passer après Cassis. Ouais. Donc, pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, présentez-vous en quelques mots. En quelques mots? Eh bien, on est Warden Light Studio. On est un studio de concept art, visual development pour le jeu vidéo, le cinéma, la publicité. Des beaux dessins, quoi. Vous faites des beaux dessins. Ouais. Alors, vous faites des beaux dessins. Moi, je vous ai reçu l'un après l'autre. Enfin, l'une après l'autre. Pardon, ouais, c'est pas simple. J'essaye d'être inclusif. Mais... Comme ça va. Et du coup, quand je vous ai reçu, j'ai d'abord fait dessiner beaucoup Bastien. Yeah. Et j'ai fait beaucoup travailler Jessica sur le métier, le concept. T'as tenté de me faire dessiner. Ouais, j'ai tenté. T'as dit non, mais moi, je fais pas ça en parlant à des gens. C'est un peu complexe. C'est un peu, j'aime pas ça, d'abord. Et donc, quand on vous avait reçu, vous nous aviez parlé de Call of Duty,
des différents artworks sur lesquels vous aviez travaillé au fil du temps. Il y avait notamment tous ces jeux vidéo, ça traîne, hein. C'est mon internet qui est pourri. Non, clairement. Ouais, ça charge quand même, je précise, à 2 mégas par seconde. Et ça met du temps. C'est parce qu'il y a beaucoup trop de couleurs, en fait. C'est les couleurs qui prennent tout ce temps-là. Donc, on avait beaucoup parlé de toutes ces images-là. Oui, tout à fait. C'est le avant. En fait, il y a eu un avant et un après avec nos artworks. Donc ça, vraiment, là, ce que tu es en train de faire défiler, c'est vraiment le avant Spider-Man. Et du coup, qu'on n'a pas fait tout seul, d'ailleurs. Hein. Vous l'avez pas vraiment fait tout seul. On est un peu déçus. Non, il y avait un pote en plus. Un pote. une centaine de potes. Non, alors c'est vrai qu'on a été le seul studio français. Avoir travaillé sur la prod de Spider-Man, mais après on était trois Français, donc il y a un chara designer qui était avec vous aussi. En tout cas, dans la partie développement artistique, parce qu'après il y avait les animateurs et tout ça, et c'est vrai que dans la partie développement artistique qui était là au début du projet, et même Florent est arrivé justement après sur la deuxième partie. En deux grandes phases. La prod Spider-Man, au niveau recherche visuelle en tout cas. Et du coup, nous, en fait, on intervenait vraiment au départ. Du coup, tu veux qu'on parle directement de ça ou tu voulais qu'on y vienne après? Comme tu le sens. Ce qui m'importait sur la présentation de ce qu'on a fait ensemble avant, c'est que les gens pouvaient encore le revoir. C'est-à-dire que si vous voulez tout le début, si vous voulez les 10 premières années de Warden Light, il y a deux vidéos, je vais vous passer le lien dans quelques minutes. On va switcher sur ton écran après, pas tout de suite, dès que tu auras retrouvé le site de Warden Light. J'ai commencé à taper, mais je sais pas s'il est arrivé au bout. Warden Light.com. Mais c'est un clavier français, non W. Non, c'est un clavier QWERTY. Hein? Eh ouais, t'as vu? T'as cru que t'étais en Suisse encore? Oui, non, mais c'est ça. Est-ce que vous utilisez ça encore des QWERTY? Elle, oui. Oui, moi, oui. Moi, je me suis adapté, je suis devenu bilingue des doigts. Ah, c'est beau ça. Alors, pas au départ, parce que quand il était à Ubi. Quoi? Hein? Il avait été chercher un couteau à la cafétéria. Ah ouais, pour faire sauter les touches du clavier, pour les inverser. C'est après que j'ai découvert qu'on pouvait changer, tu sais, les options de clavier via l'ordinateur. D'accord. Mais c'était moins épique. Ouais, c'est un peu la technologie. C'est un peu le truc. Donc effectivement, ça y est, on peut migrer sur ton écran. Voilà. D'accord. On va pouvoir migrer sur le vôtre, comme ça, ce sera plus facile de se balader. Hop. Ah, ok. Ouais, check. Donc une souris à molette. Je vais sur quoi? Je vais sur Speedy. Ouais. Alors sur Speedy. Allez. Yeah. Donc Spider-Man, ça c'est en fait votre. Quand j'ai reçu Jessica, elle a dit ouais, on est en train de faire un truc, mais on n'en parle pas trop. Voilà. Est-ce que aujourd'hui on est au moment où on peut en parler un peu, voire plutôt trop? Plutôt à fond là. Il y a plus que ça. Non, alors voilà, comme il est sorti en décembre, on a pu joyeusement sortir les images qu'on a fait sur la prod. Et du coup, pour discuter justement du avant et du après, c'est qu'au départ, on était vraiment plus dans un style semi-réaliste où on avait des techniques qu'on emploie depuis maintenant plus de 10 ans. Ouais. Donc c'était vraiment mix photo, on utilisait de la 3D, tout ça, donc on bosse souvent avec Cinema 4D. Et du coup, on était plutôt connu pour ça, enfin, c'est-à-dire qu'on nous engageait vraiment pour ce style d'image. Donc on a beaucoup bossé avec Blur Studio. Ouais. Donc c'est vraiment, on avait établi notre style graphique souvent avec ces productions-là. Ouais. Et quand en fait on a démarré sur Spider-Man, donc c'est Alberto Mielgo qui nous avait embauché sur la prod. Et lui, il était vraiment à la toute base du projet. Donc quand le projet il a été pitché et accepté par Sony, il a fallu commencer en fait les premières idées, les premières recherches de style graphique parce qu'il n'y avait rien. On est arrivé, on a reçu le script. D'accord. Donc il fallait à partir de là commencer à développer vraiment la recherche graphique. Et c'était de troll, donc il nous laissait le temps vraiment de proposer des images. Alors au départ, nous on était tout feu tout flamme et on était sûr de nous sur le fait que... Non, il nous avait mis en confiance. Oui, il nous avait mis en confiance en disant j'adore ce que vous faites, donc faites ce que vous faites d'habitude, mais faites pas du Spider-Man, donc New York. Donc on s'est dit, il n'y a pas de souci, on va te faire ce qu'on a l'habitude de faire. Donc on faisait des rendus 3D, on faisait du photobash, puis on commençait à lui balancer des images, puis on s'est dit, on va essayer de tout miser parce qu'on adore ce DA, on admire vraiment son boulot, tout ça, puis on était très fiers de bosser avec lui. Ouais. Du coup, on balançait vraiment de l'image à la semaine, mais on bossait, mais du matin jusqu'à je sais pas quelle heure, pour vraiment balancer du contenu.
Et du coup, à chaque fois, on recevait une réponse en disant bah, « J'adore ce que vous faites, c'est génial, vraiment, je suis fan. » Mais c'est pas encore ça. Ça va pas du tout. C'est pas encore ça. C'est, ouais, voilà. Et il dit « Ça va pas du tout. » Puis on se dit bah, « Alors, qu'est-ce qui va pas du tout ?» et en fait, il dit bah, « Regardez, je vous ai envoyé une vidéo. » Alors, et vous envoyez quoi, un vieux Spider-Man? Alors non, non, alors, non pire. On aurait souhaité. On aurait souhaité, mais quand on a ouvert la vidéo, déjà il avait pris notre artworks, donc on avait pris une, il avait pris une des images qu'on avait données, et on a juste regardé le temps de la vidéo, elle durait 50 minutes. Alors, j'ai, c'est une review sur notre, notre premier dessin, sur notre premier dessin là, de 50 bug, minutes, mais pourquoi il y a 50 minutes de vidéo? Et puis après on a et compris. En fait, sur les 50 minutes, il a spoté tout ce qui était faux ou qui n'allait pas dans l'image. Sur une image, il a mis 50 minutes de trucs qui n'allaient pas exactement. Dedans. Exactement. Il est sympa comme prof. Non, non, c'était royal. Et en fait, non mais... Alors, oui, douche froide absolue. Et en même temps, c'est là où en fait, on a pigé un truc. C'est qu'on se dit, ah, mais en fait, on va assister à la meilleure masterclass de notre vie. Parce que non seulement, nous, au départ, on s'est dit, bah, c'est bon, on est viré parce que 50 minutes de bâchage, tu vois. C'est... Tu dis qu'il y a un truc que t'as raté. Il bâche avec des bisous. Hein, voilà, voilà. Gentil, oui, parce que alors, toutes les 5 minutes dans la vidéo, il dit, again, I love you guys. Hein. Je vous aime toujours, mais quand même. Vous voulez vous tuer, mais du coup, voilà, c'est cool. Donc, du coup, c'était vraiment. Il essayait de nous expliquer qu'il fallait vraiment qu'on parte sur un univers existant, donc vraiment designer Brooklyn, New York, tel quel, mais il fallait jouer avec les lumières et le style graphique. Le seul truc, c'est qu'il n'arrivait pas vraiment à nous dire exactement ce qu'il voulait, parce qu'il respectait tellement notre travail qu'il disait bah, « continuez à chercher ». Je dis bah ouais ok bah alors on continue à chercher et on continue à balancer l'image. Alors ça par exemple les images qui défilent c'est vraiment là, donc c'est les premiers refs qu'on balançait l'idée. Premier test. Et puis de nouveau on recevait encore des vidéos. Et combien de fois est-ce que vous avez fait un best of de ces vidéos, une compile bah, on de les a tout oui, mais on a gardé à la maison, on va les garder en privé. Non mais pour notre amour propre tu vois on les a pas vraiment diffusés, c'est pas le truc en making of. Non mais par contre tu vois pour le coup on a fait finalement 3 mois d'aller-retour complet de feedback et en fait à chaque fois il nous montrait sa technique, il peignait par dessus, il y allait à fond. Ouais, il nous faisait vraiment, il nous apprenait en fait qu'est-ce qu'il fallait on était, faire. On était de retour à l'école. Quoi. Le paint-over comme méthode d'apprentissage. Ah mais alors voilà. Alors on aurait bien voulu que ce soit du paint-over. Il partait d'une page blanche et il refaisait l'illu, tu sais, mais en mode waouh et bon très très rapide. Hein, ouais. Parce qu'en fait ça aussi c'est un truc qui était nouveau pour nous, c'était qu'il fallait qu'on prenne notre temps. Ouais. Ça, c'était jamais arrivé avant. Jamais on l'avait reçu dans le mail, celui-là. Et du coup, il disait, mais prenez un mois s'il faut, 2 semaines, 1 mois, mais l'image, pourvu qu'elle soit belle et qu'elle corresponde à ce qu'il faut, tu vois. Et parce qu'on essayait de balancer au moins 3 images par semaine, sur un rythme correct. Et le truc, c'est qu'il a dit, non, mais je veux pas que vous me balanciez un maximum d'images. Vraiment, c'est si vous faut un mois pour une image, faites-le. Par contre, il faut qu'elle déchire. C'est ça, ouais. Donc, vous pouvez prendre le temps, mais... Faut que ça vaille. Voilà, c'est ça. Exactement. Tout ça pour qu'on arrive jusqu'au moment où en fait finalement on avait un petit peu pété les plombs et on lui a envoyé une image au moment où on s'était dit non mais on va laisser tomber en fait. En fait on va laisser tomber, on va adieu partir. La gloire, l'argent. Non non mais même enfin c'est tu travailles pour quelqu'un que tu admires tellement que au bout de 3 mois où il te dit non mais ça va pas tellement bien, bon bah du coup on se dit non mais on va pas arriver au stade où il va nous détester. On pensait vraiment qu'on lui faisait perdre son temps, ouais. mais il nous le disait pas. Et il était toujours très poli. Et puis il répétait constamment le fait qu'il aimait ce qu'on faisait. Il y avait un côté t'avais vraiment envie d'y aller quoi. Et puis un soir, bah en fait on s'est dit bon allez on craque le slip. Et puis du coup on balance les couleurs, on défonce les perspectives et tout ça, puis on y va vraiment côté painting, et puis en fait on l'a envoyé celle-là, donc justement celle qu'on affiche. Mais on allait lui dire après qu'on nous reverrait une vidéo sur le fait que ça n'allait pas. C'est genre visiblement, c'est le chant du cygne, tu vois. C'est ça, on passe tous beaucoup de temps sur ce projet, c'est ça, voilà. On passe au suivant. On va pas vous emmerder plus longtemps.
Puis en fait, c'est là où il a vu ça, il a dit ok, c'est bon, c'est ça. Ça y est, vous avez compris. Guys. C'est ça, c'est à force de peindre des palissades comme et de lustrer ça. Ça... Mais je crois qu'on a chialé vraiment à ce moment-là. Now you have to meet the team. Et quand on a mis la team, là, c'est devenu encore pire parce que tu sais, t'avais ce côté waouh. 7 heures de vidéo par heure. Non, alors justement, cette fois, tout était bon. Là, il n'y avait pas de problème. La technique, elle était là. Il avait d'abord fallu qu'il nous détruise pour nous reconstruire après dans le style qu'il voulait, dans le style qu'il aimait. Et qui est dans la production avait besoin. Et en fait, là, il a dit c'est bon, maintenant vous pouvez enfin rencontrer le reste de l'équipe. Et là, ça a été la descente aux enfers morales, parce qu'il y avait Craig Mullins, il y avait Rob Ruppel, Vaughan Ling, Yun Ling, Neil Campbell Ross. Tous les artistes qu'on suivait, mais que c'était pour nous des légendes. C'est juste des légendes. De ouf. Et là, voilà, nous, on était les deux petits péteux qui arrivaient, tu sais, en mode on va faire des coloriages. Qu'est-ce qu'on fout là-dedans, quoi ? Qu'est-ce qu'on est. C'est ça. Vous êtes sûr ? C'est ça. Et après, ça nous a rassurés parce que finalement, les feedbacks qu'ils donnaient, genre même à Craig Mullins, bon, là, ils se fondaient encore plus en excuses. Oui, parce qu'ils faisaient aussi des vidéos pour les autres, on savait pas au départ. Et après, ils partageaient en fait toutes les vidéos où ils expliquaient à quel point les trucs n'allaient pas. Et aussi pour Craig Mullins, du coup on s'est dit ça va. Ah, mais c'est bon, ça détend la nouille. Ouais. Donc du coup, Et puis là, ça a détendu, mais là par contre, on est parti en rythme de travail full pendant un an et demi à vraiment faire chacun des décors qui allaient être après inclus dans le film. Quoi. Mais putain, c'était. Il y a Baptiste qui demande comment vous faites pour vous répartir la tâche sur ce genre de projet. Ah bon, on se fout sur la gueule. C'est Bastien demande c'est qui la tâche. Effectivement. Alors, c'est marrant, sur nos anciens projets, la plupart du temps, il y en avait un qui bossait sur soit la base 3D et l'autre les détails, le background, tout ça. Ouais. Et puis après, on balançait l'image, puis il y en avait un des deux qui mergeait et puis qui faisait tout l'assemblage. Mais là, pour le coup, dans la mesure où c'était vraiment du full painting, généralement, on coupait l'image en deux. Et il y en a un qui faisait le côté gauche et un qui faisait le côté droit. D'accord, comme ça, c'est... C'est là, comme ça, c'était bon. Ouais. Ce qui répond à la question de TMPX, il dit c'est dommage que la règle des tiers ne soit pas appliquée, tout ça. Ça c'est un vieux photographe, sûrement. Nous, on s'est dit... Mais si vous faisiez moitié-moitié, c'est... C'est photographe. On avait côté gauche et côté droit. On est des ouf. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, si tu veux, aussi, je peux répondre à cette question d'une autre manière, c'est qu'on avait aussi pas mal... les refs étaient déjà en place. C'est-à-dire que Alberto, il était parti à New York. Ouais. Il avait tourné dans Brooklyn pendant un long moment avec son appareil photo. Mm-hmm. Il avait pris des photos. Donc, il respectait pas la règle des tiers. Hein, c'est de sa faute, c'est pas nous. OK. Okay. Non, et du coup, en fait, il prenait vraiment les éléments qu'il voulait vraiment dans son image. Mais genre, mordicus. Et nous, c'était très bien parce qu'on avait, entre guillemets, juste... à s'imprégner de l'image, les couleurs, et puis synthétiser avec la sensibilité qu'on avait mis en place tous ensemble via ce style. Par contre, il avait vraiment une vision très précise de ce qu'il voulait. Donc, on avait une certaine liberté graphique. Il y avait une charte à respecter. Il nous foutait la paix pendant le mois entier pour pouvoir faire l'image. Ouais. Une fois qu'on la livrait, alors c'est soit il faisait des retours, soit on passait directement à une image suivante. Et lui, il s'amusait à corriger ce qu'il estimait être corrigeable sur l'image. Ouais. Mais pour le coup, c'était vraiment le DA. J'aime bien dire, c'est vraiment le DA artiste avec un grand A, parce qu'à la base, il est peintre à l'huile, il est animateur chez il a fait Disney, il a fait tout le monde, en fait. Et donc, il est vraiment connu pour son style. Et c'est vrai que, il fallait vraiment qu'on respecte quand même ce qu'il avait vraiment en tête. Mais ça déchirait. Hein. À chaque fois que lui, il nous montrait une image que lui avait faite, il pesait dans le game. Quoi. C'était vraiment... C'était deux semaines de dépression. En fait, il pétait le game. C'était deux semaines de dépression pure et dure. Mais surtout que la technique, en fait, finalement, c'était qu'il fallait qu'on peigne tout de A à Z. On était en mode imprimante, en fait. Chaque trait, il fallait qu'il soit là, chaque truc. Par contre, on a quand même retrouvé le côté vraiment tradit de l'artiste, parce qu'une fois, il nous a balancé son fichier PSD pour nous montrer comment il procédait au niveau du painting. Puis alors, il nous a envoyé un plan, un immense plan. Il y avait 700 calques. Bah, 700 calques dans le fichier. Et ils étaient tous renommés ou tout que dalle. Oui, bien sûr. Calque 700. Non, d'où, voilà. Tu fais un nouveau calque et c'est le calque 701. 702, tu dis. Ah, punaise. À moins qu'ils les aient renommés exprès, mais tu vois. Mais il y avait quand même du scroll à faire dans l'histoire. T'imagines. Donc, il y a l'autisme de renommer ton calque. C'est comme ça que je protège mon process, tu sais. Ouais, t'es sûr que personne... Non, mais après, ça lui permet justement de le...
de le remettre à l'échelle des milliards de fois. Mais voilà, c'est ça. Non, mais enfin voilà, c'était une nouvelle technique pour nous, c'était une nouvelle façon de procéder, et puis il a fallu qu'on retourne à nos basiques, à savoir savoir peindre, et puis pas user de la grosse triche comme du bâche machin, tu vois, et enfin des trucs comme ça. Parce que c'est ce qu'on a fait pendant 10 ans, voilà. Ouais. Mais disons, non, mais on a beaucoup gagné avec cette proche. Je pense que c'est vraiment celle qui nous a le plus enrichi au niveau technique, bah, expérience. Ouais. Parce que tu sais, comme on dit, quand t'as pas la motivation, c'est elle qui te trouve. Parce que c'est... nous, on n'aurait jamais eu le courage de se mettre à un tel changement, de manière volontaire et aussi flagellatoire. Ouais, c'est surtout ça, c'est le côté c'est assez notre fonctionnement. Parce j'allais dire, tu peux pas aller volontairement vers une telle douleur, mais j'avais peur de dire une connerie. On a déjà eu ça avant, c'est-à-dire que toutes les choses qu'on savait pas, parce que comme on est autodidacte, vu que on s'est gentiment fait foutre dehors de l'école, et bien des ardèques, le truc c'est qu'il a fallu apprendre sur le tas et tout ce qu'on ne savait pas. Le client, quand il te le demandait, t'apprenais soit le soir, soit sur le moment, et puis t'en chier. Sauf que le soir, comme t'es déjà en train de bosser depuis 18h dans ta journée... Ah tu pleures ta mère, mais tu le fais quand même. Une question, vas-y. Elle est bonne. Vous avez un problème sur le niveau du style graphique. Chacun sa patte graphique doit être compliquée. En fait, c'est une très bonne question, ça. Parce que, alors, c'est là où Alberto était en fait finalement quelqu'un d'extraordinairement brillant. C'est que il a choisi les artistes qui avaient, on va dire, pas exactement le même style, mais disons que qui avaient la même sensibilité sur les couleurs, sur les lumières. Et en fait, finalement, quand on prend Craig, Rob et tout ça, ils avaient déjà tous bossé ensemble sur la série Tron Uprising de Disney. Ils avaient déjà un style qui était en place. Nous, on avait commencé à faire des artworks dans ce style-là. Ouais. Donc en fait, il s'est pas dit non mais les deux ils sont sympas en soirée donc je vais les prendre. Tu vois, non c'est pas ça qui s'était dit. C'était ça aussi, mais. C'est-à-dire, ils sont relous. Non, et donc du coup, ils savaient que toute la team pourrait faire le même travail. Et finalement, je fais de la pub en avance, mais là sur Netflix, c'est sorti la série Love, Death and Robot. Ah, et coup. On va en parler un petit peu. Et en fait, il a repris les mêmes artistes pour refaire tous les décors du court-métrage, justement, The Witness. Le témoin. Voilà, et donc du coup, finalement, on avait tous le même style, la même sensibilité, la même approche, en fait. Ça se jouait à des petites choses qui permettaient de déceler certains artistes, mais il y en a d'autres, quand on voyait les artworks, on disait « Ah, mais ça, c'est lui, bien sûr, parce qu'il fait ça comme ça. » Et en fait, non, on se dit « Ah, mais non, c'est Peter Chan. » on n'arrivait plus à savoir qui c'est qui avait fait quoi, parce qu'on avait vraiment tous épousé le style. C'était assez fun. Exact. Donc voilà, je te rassure, mais c'est là où on reconnaît une grande direction artistique. C'est mon idole, oui, t'as raison. Ah oui, carrément. Il peut. On est très contents de vous. Alors attends de le rencontrer en vrai, il est génial. Alors il y a TMPX qui demande est-ce qu'un style formaté, c'est pas trop frustrant justement ? Non, parce qu'en fait, moi je voulais aller dans ce style-là. En fait, Alberto, je me suis mis à l'admirer. À la base, on est des gros fans. On est des gros fans en fait de ce gars-là. Donc on a dit oui, prends-moi. C'est comme. C'est ça, ouais. Prends mon âme. I'm your bitch. Et c'est ce qu'on s'est dit, c'est que nous, on voulait faire ça. C'est-à-dire que on avait déjà un style établi depuis 5, 6 ans ou 8. Et on s'est dit, on a une zone de confort, on aimerait faire un petit peu d'autres trucs là. Et quand on est tombé sur son travail, on a dit, ok, mais ça, j'aimerais savoir faire. Et là aussi, alignement des planètes, pas possible, on se retrouve à bosser avec ce gars-là. Donc du coup, finalement, non, c'est pas frustrant de passer à un autre style comme ça. Et oui, c'est un formatage, mais merci, quoi. C'est, comme je disais, on a été payé à assister à la meilleure masterclass de notre vie, en fait. Je rebondirai après là-dessus, mais vraiment, ça nous a apporté bien plus d'avoir appris ce style, parce que maintenant, on en a fait un jeu où on a mixé notre ancien style avec ces nouvelles techniques. Mais ça, on montrera peut-être d'autres trucs juste après. Mais ça, je le souhaite à tout le monde. Je le souhaite à tout le monde que ça arrive, quoi. C'est extraordinaire. Mais parce qu'on était aussi totalement d'accord de vouloir être reformaté là-dessus, parce que on en avait besoin et on était content et ça allait dans le sens qu'on voulait. Ouais, vraiment. Oui, parce qu'après aussi, ça faisait déjà 10 ans, pratiquement 10 ans qu'on pratiquait déjà le même style à chaque fois. Ouais. Donc déjà, on était enthousiaste de changer un peu.
Ouais, ah oui, là, clairement. Mmh. Et puis après, bah voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure de la production, bah finalement, il s'est avéré que Alberto est parti de la production. Mmh. Et c'est Patrick O'Keefe qui est là avec nous à Yamag, qui a repris les rênes et qui justement lui a rendu tout ce qu'on avait fait, qui était quand même un film assez mature graphiquement. Hein, si vous regardez justement sur Netflix l'épisode dont on parle, c'est exactement ça qu'aurait dû être Spider-Man visuellement. Mmh. Ouais, mais là, ce que tu es en train de défiler, c'est vraiment les concepts. Ça, c'est les concepts par Alberto. Ouais. Ça, voilà. C'est le concept par Alberto. Donc, clairement, ouais. Pour ceux qui ont vu le film, voilà, ça, c'est Gwen, Spider-Gwen, là. Ça n'a plus rien à voir. Mmh. Voilà. Et là, on est vraiment sur un concept vraiment très mature, qui, je pense, c'est pas pour les enfants, ou du moins, les enfants ne le comprendraient pas de la même manière. Ouais, ça n'aurait pas été aussi accessible auprès du grand public. Et donc, je pense que Sony s'est rendu compte de ça. Mmh. Et ils ont dû en discuter. Et puis, et de se dire que, au départ, vraiment, Alberto a établi le style graphique, mais après il fallait que ça soit beaucoup plus friendly pour que ça soit un film familial. C'est joliment dit, le film familial. J'essaie de pas toujours. Non, mais c'est vrai, quand tu fous 90 millions de dollars sur un film. Ils peuvent pas. Déjà que c'était un gros risque de faire un truc comme ça. Donc imagine s'ils avaient fait encore plus. Ils avaient poussé la chansonnette encore plus loin. Il faut calculer le risque. Moi, je trouve qu'ils ont déjà pris des libertés que jamais ils s'étaient permis avant. Et c'est là où Patrick a été brillant, c'est qu'en fait, il a pris tout ça. Il a amené encore 3-4 ou un peu plus d'artistes aussi qui étaient dans un autre style, beaucoup plus simplifié. Puis en fait, ils avaient des milliers d'artworks à disposition et du coup, ils prenaient ceux qu'ils aimaient. Puis en fait, finalement, notre travail, même si la DA a changé, elle s'est retrouvée dans le film finalement. Tu arrives à retrouver ce qu'il y avait dans les. Exactement. Et donc, du coup, ils sont arrivés, ils se sont dit, OK, on va prendre ça, et puis on va le mettre dans le film. C'est bon. Et puis du coup, finalement, c'est parfait. Quoi. Et c'est cool parce que même maintenant, après, là, de rencontrer Patrick et d'autres collègues avec qui on ne travaille pas encore à ce moment-là, en fait, c'est super cool parce qu'on retrouve des potes. Parce qu'on avait la même façon de bosser, la même mentalité sur notre travail des couleurs ou des trucs comme ça. Enfin, techniquement, c'est bon, on était proches. Et puis bon, on a travaillé là-dessus, ça a marché. Et puis, c'est bon, c'est amitié instantanée. Pas de problème, tu vois. Ouais, c'est clair. Et donc, du coup, et puis un énorme respect entre chacun. Et ça, ça a été juste super. Ça, c'est juste super. C'est clair. Donc, ça fait une très 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 belle aventure. Tu dis amitié instantanée, est-ce que ça me permet d'enchaîner sur le second sujet, parce que comme on a vu, du coup vous avez eu quelques interviews dans la presse française, suisse, Montpellier, Rennes, sud de la France ouest, sud de la France est. Qui tenait au fait que, apparemment, tout le film avait été designé en France. Tout le film a été fait par vous intégralement. En tout cas, c'est ce que Cassis a cru. Donc, Puis on va le laisser croire. Non, là c'était bon. Non, ça va. La version du Midi Libre est plutôt fidèle. Le titre était bien. Au fait. Et du coup, j'ai vu une petite interview de vous et vous étiez en train de parler d'un projet que vous aviez en cours, le coup, centré sur Montpellier. Ouais. T'aimes Montpellier, hein. Oui. Attends. Il y avait quoi sur vos écrans ce jour-là? Bien sûr. Fabriqué à Montpellier. Fabriqué à Montpellier. La petite histoire, c'est que en fait, il y a maintenant un petit moment là, on a rencontré deux super personnes qui ont fondé le studio 1492. Et en fait, à l'époque, ils lançaient un premier jeu qui s'appelait Is It Love sur mobile et tout ça. Puis en fait, nous, on a trouvé ça assez fun et on s'est dit putain, mais ça va bien marcher en fait votre truc. Et effectivement, ça a très très bien marché. Et on était trop contents pour eux et du coup on a continué à rester collés ensemble et puis un jour, je sais plus, on était paumés en montagne à se faire un petit week-end tranquille. Bah, à la base on est des potes de picole. Hein, ouais. Donc, c'est dit. Et donc du coup, et entre 3-4 verres de trop, on s'est dit t'as une basse, j'ai une grade, t'as une batterie, parfait, on fait un groupe. Et donc du coup on s'est dit avec le moteur qu'ils avaient, nous la patte graphique qu'on avait, on s'est dit allez on fait un épisode d'Edit là. Et c'était trop cool, quoi. Et puis on est passé par plein de
plein d'étapes. Ouais, alors le début de la collab, elle date d'il y a déjà passé 3 ans. Mais du coup, bah, on avait d'abord pitché un truc, c'était un peu une satire politique. Puis après, on s'est dit, ouais, non, en fait, non, ça n'était pas trop délirant sur le temps. Et du coup, après, on était parti sur un truc sci-fi. Ouais. Et là aussi, on s'est dit en cours de route que ça allait peut-être pas forcément marcher parce que les visual novels en mode sci-fi, ça se fait pas beaucoup, mais il y a peut-être une raison pourquoi. Donc, du coup, on s'est dit non, on va mettre ça de côté, ce qui forcément bah, nous a fait perdre quand même une petite ou une deuxième année de plus sur la prod. Bien sûr. Mais du coup, on est retourné à nos affinités premières parce qu'avec Bastien, on est des gros fans de la série Supernatural. Oui, je l'ai dit, je suis une groupie. Mais ouais, on sent qu'il y a beaucoup de passion de toute façon sur. Il faut. Ouais, ouais. Longtemps avec Bastien, on voulait faire un truc qui ressemble à ce qu'on adorait depuis qu'on a 15 ans, parce que je regarde cette série depuis qu'on a 15 ans, puis elle est toujours en service, hein. Mais il y a toujours des épisodes qui se font. En fin de service. En fin de service, exactement. Et du coup, on s'est dit, on adore cet univers. Après, il n'y a pas que Supernatural, hein. Il y a énormément d'univers qui tournent autour, des anges, des démons et des trucs comme ça. Et du coup, on voulait vraiment faire un truc qu'on connaissait bien avec Bastien. Et on s'est dit, bah allez, on va faire dans ce genre d'ambiance un nouveau Is It Love, mais façon ange et démon. Et ça a bien pris pour le coup. On était vraiment. Ouais, ça nous a. En fait, ça a mis en place un truc qu'on savait un petit peu. Puis en fait, ça a été la grande preuve. C'est que les deux premiers projets, c'était des sujets qu'on aimait bien. Mm-hmm. On pensait qu'ils allaient bien marcher. Ouais. Claire et Thibault, justement, étaient vachement enthousiastes. En tout cas, peut-être pas le premier, mais en tout cas le deuxième. Mais. Ils sont moins enthousiastes avec le temps. Non, mais dans le sens. Ils savent très très bien. Alors, c'est ça qui est brillant. Mais par exemple, ils ont décidé de nous faire confiance parce que ils nous ont fait confiance. Ils connaissent. C'était pas vraiment leur truc, l'univers. Non, mais l'univers en général, c'était pas vraiment. Si on regarde les jeux qui sortent, ils sont pas trop dans. Ils étaient plus dans quelque chose d'assez réaliste. Et le fait de se lancer dans un côté. Alors, ah oui, pour le SF, voilà, ils avaient été. Ok, mais finalement, au bout d'un moment, ils se sont dit que ça allait peut-être pas le faire. Ouais, puis nous aussi, et de ce côté-là, pour leur faire confiance, quand ils disent ça va pas le faire, c'est que ça va pas le faire. On s'est rendu compte de toutes les difficultés que ça impliquait justement de créer un univers de A à Z en si peu de temps et ainsi de suite. On se doutait bien, mais en fait, une fois qu'on est dedans, oh la vache. Et puis, en fait, finalement, le truc à faire, c'est que finalement, quand on s'est dit on repart sur quoi, et on a dit en fait, ce qu'on aime le plus. C'est-à-dire, nous, en mode groupie, on se dit, on adore l'univers de Supernatural, des trucs comme ça. Mais là aussi, ils auraient pu dire, ça va peut-être pas faire, mais finalement, ils étaient plutôt cool sur l'idée. Et puis, ils nous ont fait confiance là-dessus, donc on avait développé le côté scénar. Ouais. Et puis après, là, ce qui nous amène vraiment au côté cool du visuel, c'est que on avait donc démarré cette idée avant Spider-Man. Et en fait, entre-temps, il y a eu Spider-Man. Ouais. Et après, il a fallu faire tout l'univers visuel du jeu. Et du coup, en fait, on a décidé de faire un mix avec ce qu'on avait l'habitude de créer avant, donc vraiment le côté photoréaliste, et de mixer avec le côté super graphique de Spider-Man. Et aujourd'hui, nous, ça nous fait vraiment un nouveau visuel qui est plutôt original, dont on est assez content. Le style là nous convient totalement. D'ailleurs, on a arrêté d'aller à boire l'apéro pendant la période de travail. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Manger 5 fruits et légumes par jour. Moi, si vous voulez, dans 3 minutes. C'est bon, c'est fait, t'es safe. Je pense qu'on est bon, on a tous les petits disclaimers. C'est vrai que, en fait, c'est tout par les super projets, les super collaborations commencent pas seulement au bar, c'est juste que ça commence quand justement on est bien avec des gens et puis qu'il y a une bonne ambiance et puis que c'est cool quoi. Il faut rencontrer les gens, il faut voir les gens, les projets se montent souvent comme ça. Des chouettes projets quoi. Tout à fait. Est-ce qu'il y a encore d'autres projets? Qu'est-ce qui se passe? Qu'ils ne soient pas top secret, dont vous ayez le droit de parler. Non, on avait le droit d'en parler parce qu'ils ont annoncé officiellement qu'ils ouvraient leur studio dans la presse. Donc c'était justement avec Bad Robot Games. Donc Gigi Abraham se lance là-dedans avec son équipe plus un autre studio. Donc là, par contre, j'ai pas le droit d'en parler. Puis on a commencé avec ça. Et puis là aussi, bien sûr. Et là, on a démarré une collaboration aussi avec le studio Quantic Dream. Exactement. Et ça, c'est aussi super. Et ça, c'est super, quoi. J'ai cru voir il y a quelques jours sur vos réseaux sociaux qu'il y avait une série
Voilà, ouais. Qui était en train d'être diffusé, qui vient juste d'être lancé. Ouais, ouais. Ah, sur Netflix. Alors voilà, bah, en fait. Il y a de la fesse. Ouais, clairement. Il y a de la fesse. En fait, Alberto, comme il a quitté la prod de Sony pour. Parce que justement, il y avait quand même des petites divergences d'opinion sur le style graphique. Mm-hmm. Ce qu'il voulait vraiment y aller à fond dans ce qu'il savait faire et dans sa sensibilité. Mm-hmm. Et le truc, c'est comme Sony avait un peu freiné, avait mis un peu la hola là-dessus. Bah, aussi, bah, puisque c'est comme ça, attends, tiens, hold my beer. Et du coup, là, Netflix le contacte. Et là, il dit, mais là, c'était carte blanche. Il dit, mais Alberto, fais du toit, quoi. Mmh. Et il a dit, bah, y a pas de souci, attends, j'arrive. Et, et du coup, il a repris justement quelques artistes avec qui il avait bossé pour Spider-Man, dont nous. Ouais. Et il a dit, bah, voilà, là, vous faites exactement ce que vous avez appris sur Spider-Man. Ouais. Mais par contre. Vous avez deux fois moins de délai. C'est ça. Oui, alors là, c'est vrai que. Il a dit, vous avez déjà eu les cours, normalement. Là, normalement, ça devrait être OK, les gars. Par contre, le take your time, tu peux te le mettre au. C'est ça, take your time n'existe plus. C'est ça. Vous avez appris à marcher, vous allez courir. Exactement. Mais ça a fonctionné du tonnerre. On a retrouvé justement les vieux collègues. On a travaillé sur deux épisodes de ce truc. Oui, alors non, Alberto, il n'en a fait qu'un seul. Il n'en a fait qu'un. Mais du coup, on en a travaillé un sur un deuxième. Et c'était quoi le pitch? Qui rencontre Starship Troopers. Quoi. C'est celui avec justement les fermiers qui se battent contre des hordes de crevettes de l'espace, ouais. pour être poli. Et donc, du coup, Et là, en fait, finalement, on a travaillé sur les deux styles encore différents. En fait. Puis là, justement, la question que je vois, c'est si on pense reprendre le style réaliste qu'on avait. Quand Blur nous appelle ou tout ça, on refait. Fait des trucs, ouais. Puis quand ça nous saoule, on passe d'un style. Et puis quand ce style nous saoule, on passe à un autre, et ainsi de suite. Et là, du coup, l'ancien style, on l'a vraiment mixé avec le nouveau et on en est vraiment très satisfait. Parce pour le qu'il il faut pas croire, mais le style cartoon comme ça, ou ce style de truc, c'est pour ça que c'est extrêmement. C'est pas contraignant, mais c'est. Ça demande beaucoup de concentration. Ça demande énormément de concentration. Parce que si tu te loupes, ça devient vite dégueulasse. Faut pas se rater non plus sur cette partie-là. Ça devient vite maladroit. Chaque trait que tu fais, chaque forme que tu fais, c'est une décision que tu dois prendre. Donc du coup, c'est. Ça demande beaucoup de concentration. Voilà. Donc du coup, finalement, c'est une culture. Mais tout à fait. C'est en train de le devenir. C'est une culture. Est-ce que Spider-Man est une before culture it school. Before it was cool. Before it was cool. Before it was cool. Ça va devenir. Exactement. C'est ça. Je ne vais absolument pas montrer de vidéo de non, de non, non. Alors par contre. Non, voilà. Alors celui-là, voilà, c'est pas pour à regarder quand les enfants se sont voilà, couchés. Voilà, exactement. Avec non, non, un vraiment. Verre de vin, bah oui, parce que pour le coup, là, c'est vraiment freestyle. Ouais, ouais, hein, voilà. Et ouais, c'est vraiment, vraiment pas pour les enfants. Regardez ça. Regardez les dessins animés, c'est pas pour les enfants. Exactement. Mettez une peau de. Voilà. Voilà, regardez ça devant la cheminée avec une peau de bête. Voilà, laissez la petite sœur. Exactement. Ne regardez pas ça avec vos parents, c'est gênant. Oui. comment regarder des trucs violents à la télé? Pas avec tes parents. Pas avec tes parents, pas avec tes enfants. Et finalement, il n'y a plus resté grand monde. Non, voilà. Non, mais c'est ultra select. C'est ça. Célibataire. Ah bah ça va, c'est bon. De 30 ans. Tu fais ce que tu veux après. C'est. Ouais. Donc voilà, c'est vrai. Et ce projet est génial. Et puis voilà, Tim Miller, c'est Tim Miller et David Fincher qui ont mis ça en place. Et Tim, c'est le patron de Blur Studio et c'est un mec génial aussi. Et du coup, voilà. Et quand on dit c'est un mec génial, c'est pas parce qu'on a des contrats à signer, hein, c'est vraiment des types géniaux. Depuis 2012 qu'on bosse avec eux, ça fait plaisir de Ils sont vraiment top, quoi. Il y a vraiment un état d'esprit où t'es toujours content quand tu te contactes et que tu dis bah, j'ai un projet sur la table. Allons-y, quoi. Allons-y. Est-ce qu'il y a moyen de le mettre en place? Est-ce que... Non, mais pour nous, alors du coup, on va aller les voir en octobre. Mais pour nous, on est sûr qu'ils bossent en tongs, les mecs. Non, c'est clair. Mais clairement, c'est super détendu. Quoi. La chemise à moyenne. Ils commençaient à nous donner des petits surnoms sales qu'on ne nommera pas à l'écran. Mais non, c'est mieux. Ils sont vraiment détendus. ça m'arrange. Non, t'inquiète. C'est sympa. Mais Lucas, ça va. Oh là. Donc toujours des heures et des heures sur la tablette à faire du Photoshop pour les plus grosses productions maintenant, c'est fou ça. Cool, hein. Et puis là ces derniers temps quand même on a repris je te cache pas qu'on a besoin de vacances aussi hein, là, ah oui non parce que quand même, de temps en temps vous, hein. Voilà, il faut qu'on reprenne les week-ends et puis les nuits les week-ends les art week-ends
Alors, accessoirement, en mais, haut. Ah, mais elle est belle, ouais, celle-là. Mais viens avec ton pull, toi. Voilà, il faut qu'on monte, là, pour du brand design, là. Allez, attention, pour la première fois. Nous avons un support. Pour la première fois, il porte les habits, parce que d'habitude, il est sans fringues. Ouais. Mais... C'est l'art week-end, chers amis. Ça, c'est l'art week-end. Parfait. Le t-shirt, hein. Ah. Ouais. Le Art Weekend, c'est pas que Olivier Cracus. Merci. Olivier Cracus, ouais. L'homme sandwich. L'homme sandwich. L'homme sandwich. Et si vous voulez voir péter son froc, il va revenir à Art Weekend. On peut parler de Richardson. Non, non, mais c'est... Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Tu veux qu'on parle d'Art Weekend, du coup, hein? Vite fait, qu'on dise ce que c'est. 30 secondes, juste pour rappeler, okay, aux gens c'est ce qui existe. C'est un festival un peu comme Yamag, sauf qu'on n'est que 100 personnes, dans un camping, lâché en pleine nature, avec 4 grands speakers extraordinaires, et puis du coup, ben voilà, c'est la folie, c'est le Club Med pour artistes. Oui, vraiment, oui, parce que alors, le seul truc qui change des festivals en général, c'est vraiment, c'est qu'on s'occupe de la bouffe, de la picole et des logements. Oui, tout est inclus, voilà. Ouais, tout est inclus, c'est all inclusive. Et puis il y a une bonne ambiance, les gens sont sympas. Ouais, ouais, ouais. Et puis on fait même le ticket vacances. Le ticket voilà. Vacances, ça c'est cool. Et regardez. Il y a une dégustation de whisky et de rhum. Ah bah, et on retrouve là. Même. Ah, et il y a une question. Les marques de whisky. Ben oui. Oui, mais oui, c'est moi. Qui... Ouais, pas que pour l'esthétique, hein, parce que madame, elle, tu vois, quand elle est là en mode. Tu sens l'odeur de renard séché là. Non, 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 elle connaît le whisky très très bien. Elle le connaît hyper bien. Tu avais fait des dégustations bien. De whisky. Oui, voilà, il y a, ouais. Exactement. Il y a le club rhum, le club whisky. Voilà, exactement. 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 Mais ne nous égarons pas. Ne nous égarons pas. La vache. Tiens, heureusement qu'on n'est pas aux États-Unis. Ah ouais, ah ouais, non, mais là c'est fini quoi. On est cuit là, on est pendu. Vous êtes grillé. Voilà, désolé. Non, mais c'est pas très grave, on vous aime quand même. Ouais. C'est gentil. Ah, oui, il y en a même qui dessinent, en effet. Donc oui, Longmire qui a dû... Parce que je sais quand on a fait une session avec... c'était qui? C'était avec Mr. Cup. Ouais. Qui fait beaucoup de graphic design avec autour de Kevin Cantrell et tout ça. Okay, donc vraiment de l'étiquette de spiritueux, de luxe. Oui, oui. On avait évoqué justement Madame Whisky. Oh. Ah, bah, ouais. Bah, alors là, il est mis en pause depuis. Depuis 2 ans, j'ai rien maintenant, deux ans. Ouais, depuis 2 ans, non, mais maintenant, d'alcool. Alors ça. N'en parlons pas. C'est juste la page Madame Whisky qui est en pause. Mais là, je vais m'y remettre. On a tous nos manières de gérer le stress finalement. Voilà. Voilà. Non, mais écoutez, c'était un très bon truc. Est-ce qu'il y avait... Les pochetrons. Non, mais pas tout le temps, mon Dieu. C'est triste l'alcoolisme. Oui, parce que alors Cassis ne boit même pas une bière. Ouais, ouais, voilà. C'est ça. C'est le côté vraiment pas drôle. Parce que c'est un défaut de pas boire de bière. Oui, ouais. Alors, il boit pas de bière, ni de vin, ni rien du tout. Voilà, ouais, donc. Il peut pas savoir de quoi il parle. Donc, c'est ça. Non, mais c'est pas bien. Le plus important, c'est de se retrouver entre tous les potes et puis de passer des bons moments. Franchement, ça, c'est vital pour un artiste. Non, mais c'est ce qu'on essaie de défendre à Max. Clair. Non, c'est vrai. C'est ce qu'on veut défendre. Vraiment, on passe des super bons moments. Quoi. C'est... Ouais. Bon, bah, moi, j'ai passé un très très bon moment avec vous pendant cette petite heure à regarder un petit peu. je vais essayer de vous passer mon écran en arrière-plan et nous en petit. Je sais pas si on sait faire ça. Ouais, on sait. On commence. Et merci les commentaires, c'est cool. Ah oui, c'est merci cool. D'avoir des petits commentaires et tout. Non, en petit de l'autre côté, parce que là, tu es en train de cacher le nom de Mike Morris. Mike Morris qui vient de rentrer dans la pièce, qui a fait la première session du jour, qui fait la dernière session du jour. Now you still have 5 minutes. Yeah. Hein? In house? Really? Yeah, house. Okay. In the house? I don't know how I'm supposed to... my accent really sucks. So no, don't it's worry. It's totally okay. You I don't speak hip-hop, do you? Ça c'est ouais. On va te laisser. Hein. Ouais. Il va faire un breakdance sur la. Il va faire on avait Goro hier pour le breakdance. Il l'a fait. Mais bien sûr, vous avez pas regardé. Alors si vous voulez voir Goro Fujita faire du breakdance en scène, faudra regarder tous les replays. Il y a un moment où il le fait pendant les 18 heures de live. Il faudra regarder les 18 heures pour le retrouver. Super. Donc je. Ah, attendez, on est encore. Regardez, vous êtes dans l'écran, vrai, dans le coin. Ouais, moi, je suis sur mon téléphone, je suis en bonjour. Non, mais attendez, j'ai une vie et tout ça. On s'aime pas. Donc voilà, on va terminer cette petite heure avec vous. Restez avec nous parce que on va recevoir Mike Morris et ça va avoir lieu en anglais. C'est Rufus qui va animer la session avec. Attention, avec il arrive. Non, c'est bon, il est bon, il est là. Et donc on va pouvoir poursuivre tranquillement là-dessus. Ne regardez pas le point de cet écran. Il va avec la main là, parce qu'autrement il serait mieux avec la langue. Là. Sur ce, pub. Merci. Au revoir. Merci à tous. Vous aime. Merci à vous deux.
This release of Photoshop CC includes powerful new features to help you work even better. Get more control over your design with our improved content-aware fill tool powered by Adobe Sensei. Choose which pixels to use in your fills and which to exclude. You can even create fills on separate layers. And turn shapes or text into frames with our new frame tool. Just drag and drop images whenever you're ready and they'll automatically be resized to fit the frame. Now you can paint in a perfectly symmetrical pattern thanks to our new symmetry mode. Then you can choose from preset types like circular, radial, spiral, and mandala. Just choose your axis or axes and the number of segments. We've also made a number of user experience improvements to make Photoshop more intuitive. This includes our multiple undo function, allowing you to go back multiple steps without having to use the history panel. Just Command Z as many times as you need to get back to where you want. And you can work uninterrupted with our new auto commit feature. Your actions like crop, place, transform, and text entry will be automatically committed when you click on a new tool or layer. You don't have to hit return or check the box anymore. Now when you're using blend modes, you can see a preview of each mode on your canvas before you commit to a change. This saves you the time of having to guess and then undo if you don't like the results. Check out all this and more in our new release of Adobe Photoshop CC. No, I don't speak French by any stretch of the imagination. Ah, on est en... Ah, bah voilà, on est de nouveau live. Bah voilà. bonsoir à ce point, parce que maintenant, c'est presque la soirée, quoi. C'est, bah oui, c'est la nuit, c'est après 6 heures. Bon, alors, merci d'être encore là dans le chat, après cette longue journée phénoménale avec Raphaël, Stéphane, Sébastien, Flore, Nicolas, Bastien, Jessica. Et maintenant, pour la prochaine heure, on sera avec Mike Morris. Donc, je vais switcher en anglais. Et on va rencontrer Mike Morris. So, Mike Morris, hi. Hi, Rufus. How are you doing? Good, how are you? Good. Nice to meet you. For and all of the 5 minutes we've known each other exactly. Now. Exactly. Yep, yeah. Entered the door and said, hey, are you the next guest? Yep. I said, yeah, I am. And then you told me how you speak 20 languages, and that's pretty great. That's, okay. So, if you have questions, use the chat. This is what Adobe, this live session is all about, is to give you the opportunity to ask Mike questions and have immediate answers. So, Mike, why don't we start by a quick introduction? Who are you? What do you do? Where do you come from? I came from the United States, from mm-hmm. California originally. I was born in the 70s, I guess. I am a animation artist. Mm-hmm. I've done a bunch of different things. I've worked on The Simpsons for almost 9 years. 9 years in The Simpsons. Yeah, okay. I did a little internship work over at Disney Feature. Mm-hmm. I've done publishing work for DreamWorks and Disney in their comics. Then I got into Disney Television on mm-hmm. a show called Future Worm. Okay. And then now I'm working on Disney DuckTales. Disney DuckTales. Helmed Picsou, by in French. Frank and Matt. Yeah. Matt and Frank. It's pretty pretty synonymous now. Matt mm-hmm. Youngberg and Frank Angonis. Okay. Is there maybe like a website that you have or maybe something that people can see? Sure. I mean, you can go to my very outdated website. Oh, stuff. Outdated? Okay. Well. But it's Animike Art. .facebook.com. Let's have a quick look. Sure. So if you let's have a quick look. Oh, no, that's the app store. Oh, that is the app store. Yeah. That's not it. Yeah. This is jet lag, but you can leave it. Just leave it this open. This is just me being really tired. Yeah. Okay, so facebook.com/animikeart. And then we can see some old stuff. It'll be great. Sometimes it's nice to see. Oh. Oh, on Facebook. There okay. it is. Yeah, okay. Actually, this okay. This one here was mm-hmm. A little thing I did for my friend Pam at Wacom, mm-hmm. describing some people that she knows.
So very stuffy. Yeah, Germans. German nine. Businessman. Yeah. This was actually a piece that I did. This is before I saw Spider-Verse. Mm-hmm. And I watched the. Well, for those of you who haven't seen it yet, you should go see the movie. It's really good. But I just wanted to draw Green Goblin one day. Mm-hmm. I was like, you know what? I just feel like doing that. Do you draw only digitally, or do you also use traditional media? I use both. Both? I go back and forth. Mm-hmm. There's a certain feeling that you can get from either one. I grew up with traditional media. Mm-hmm. So traditional media will always have a special place in my heart. You know, you get that new ream of paper out, mm-hmm, and just... Mm-hmm. smells like home, you know. Of magic markers. Not so much markers, but I've always loved the smell of paper. Paper, okay. Paper, mm-hmm, has always been an awesome smell to me. But digitally, I love the fact that you can have an entire studio in a box, and it's all right there, you know. Because I remember, you know, painting traditionally in college and things like that, and it was always such a process to even get started. You had 10 minutes of prep time before you could even sit down and paint, you know, or draw. Drawing was a little easier. You could just pick up a sketchbook and start going. But if you wanted to do any sort of color work or anything like that, it took a long time. You had to get the tools ready. Yeah. And digital, I think, has solved that in a spectacular fashion. Mm-hmm, mm-hmm. So digital is a really great tool for me that we use all the time. Mm-hmm. How long have you been using? How long have you been painting digitally? Let's say, like, was there a switch, or did you start in college already, or how did it happen? Community college is where I started getting into digital tools. I was actually very resistant to digital tools for a long time. In high school and stuff is when they had the first few computers that I was really exposed to, and a couple of guys were doing some stuff in some. Old versions of 3D Studio Max, or it may have been Lightwave. I'm not entirely sure. It's been a while, but I was like, oh wow, this is no. I don't want any part of this. Mm-hmm, mm-hmm. And then later on, I realized that I'd been a fool, and I just needed to get on the. Do you think maybe it was also the teachers? Because I remember I was at the Art Center at the end, the Art Center College of Design. They have one in Pasadena, and they had a campus in Switzerland for about 10 years. And I remember the teacher specifically saying, you know, that computers will never, never be useful to designers. So maybe, you know, that the teachers at that time, they were also reluctant or resistant to let their students actually... No, I didn't have an art teacher. In high school, my art teacher was Adrienne Reines. Mm-hmm. She was a fantastic teacher in person, and she was actually very encouraging of all of us. She's the one that actually bought the computer for everybody, so she was more than happy to let us go play with that stuff. It was me, and I was like, I almost saw it as a threat, you know, because I could see it taking, because it was going to take over, and I was like, how do I work this? I don't want to sit there with a mouse and click, click, click. Because at that time, people were using programs like DPaint, where where you would just click on pixels, and you weren't. There was no pen input at the time. So once Wacom got their game together and brought it over here, computers became an entirely different experience. And then when I saw the Cintiq for the first time, I was just like, "All right, yeah, it's time." And then. It was in community college where I started getting into Photoshop and Illustrator, and that's when digital art for me really started to take off. Cool, awesome. So let's see some of that digital art. Let's see Mike at work. Okay, well, what shall we do? What shall we draw? Let's get rid of that. I can ask the chat for a second if they have an idea. All right, chat. What you got, chat? What do you want to see Mike draw today? And we're going to wait a few seconds for the answer. Otherwise, we'll have you decide. Let's just close this learn thing. I think I need that up for now, or the libraries, so I can get a little bit more screen real estate. Mm-hmm. There's close. Oh, is somebody? No, somebody is translating. Oh. Okay. Que voulez-vous?
voire dessiner. That's Frank. Frank's translating. Yeah. Oh, he's here. Oh, okay. I'm still there. So if you can see through the camera and look that way, mm-hmm. Frank is over there. Yeah. But you can't. Nobody can. Nobody can? That's why I moved. Okay. Too much exposition today. Can they hear you, Frank? Hmm? Can they hear you? Yeah. No, I don't think so. No. So basically we have a ghost named Frank over here. It's a bot. Is, yeah, he's a bot. He's a bot. I'm a bot. They usually call me the French Paco over in the US. Okay. Okay. All right. Fair enough. Sorry about that. Let's get some brushes happening here. Okay. Yes, or... Oh. Bon, j'ai essayé, mais un roast beef, je n'y arrive pas. Déjà, comment Ah, okay. Oh, TMPX, par... désolé. Mais peut-être tu veux voir Mike dessiner. Et si tu, as, si, tu, si tu veux poser des questions en français, moi, je les traduis. What do I like to draw for routine? There's a lot of things. I don't know if I have a specific drawing routine, but one thing I like to do is just, I kind of like to illustrate jokes that people say. Like, for a while I was really into post-it note drawing, just whatever kind of came across my, my table with, you know, and teasing my coworkers. Actually, there was a, let's get some brushes going on here. This is all written in French, so. I'm going to have to try out a couple things and see which brush sort of... I think that's an eraser, isn't it? Well, Fazilio says a duck. A duck? Okay, let's draw a duck. That should be... A duck. Yeah. So like a Disney duck or just a... Oh, well, I don't know. Feel free. What is your standard, Mike's duck going to look like today? Mallard. And then you could put... Do you discipline yourself like for stuff like drawing every day? And I try to draw every day. You know, I have a couple of very young children, so that sometimes can get... difficult to just sit there and draw for hours and hours like I used to, but my kids have also taken up artwork as well. Okay. So I have I'll be up in the office and my daughter will go to work. she'll come in and draw in the same room as me, and you know that's a lot of fun. But I try to draw and sketch when I can and you know make sure that kind of keep that that discipline going because it's important to draw every day. It's important to make sure that you keep honing your craft. I do animation on DuckTales from time to time. I have the actual physical like frame by frame animation and then you send it out for tweening and stuff like that, or it's one of those things that if you stop doing it for a while then you get into this like, oh yeah, how do I do this again? You know, so you don't want to ever have to be in that situation where you're shaking the rust off what you have to do. And Frank says that this morning you drew pigeons. This morning I drew pigeons because we went to the Eiffel Tower yesterday. Oh, okay. And in the city of France, there is a prodigious amount of pigeons. Mm-hmm. And for my talk here at IMC, I was looking for a good through line. For my talk, and the idea of a pigeon came up, and so it was just this, you know, little dopey storyboard drawing of a pigeon, and he was just this big fat shape. Flying rats. Yeah, the winged vermin. But pigeons are fun because you can there's actually a lot of storytelling you can do with pigeons, but it was just this. And then there's always a story. What's the difference between a pigeon and a dove? You know, like the doves are just, you know, like doves mean peace, but basically they're just white pigeons. So, I mean, we and did everybody with hates this guy. Doves. Yeah. Eventually, you put him on a tropical beach and have him attacked by sand crabs. Oh. showing the difference, like what's the difference between a one shot, a two shot, and a crowd shot, you know, talking about
like the psychology of shot choice, mm-hmm. In the IAMC talk, and what shots are appropriate for what sort of situations. So I'm gonna see if I can find another good brush here. The Kyle Webster set's pretty great. Not is it finding, downloaded here? I think so. Mm. To find one that I, well, that's not anything. Otherwise, we'll just. Crayon, ultimate crayon. Oh, yeah. Yeah. Brush going on. Anyways, you were saying. No, I'm talking about the white pigeons. the doves, which are just white pigeons. Yeah. I was going to ask about, do you use like a whole gazillion of brushes, or do you have your like two or three favorites that you always use? And I use there's a gentleman named Shiyun Kim, mm-hmm. who's an art director who recently worked on the Spider-Verse movie, who I went to school with, who I got his brush set, mm-hmm. which is very nice. Okay. For quick sketching with, these Kyle Webster brushes are really great too. I don't necessarily have like a specific brush that I use all the time. Just because I don't want to limit myself, mm-hmm. with that, I gotta have my brush. Otherwise, mm-hmm. I'm hosed. But then there's a couple things that I like to put up there, like the transfer, so you can get a little bit of build up. Sometimes it's nice to just, the flow's already dropped, but you can drop a little bit of the opacity too for Photoshop. Not for sketching. Makes it feel a little bit more like pencil drawing, mm-hmm. to me. I'm going to move this just side a little bit. Get this guy closer to me. And this. But I think there's a huge malleability that you get with digital tools that you don't get with a lot of other things that you can kind of fix, mm-hmm. stuff and move it around, mm-hmm. and tweak with it, what you don't really get with traditional media. As much as I love traditional media. Mm-hmm. I feel like traditional media makes me a little bit more hardcore. Mm-hmm. It's like when a draw traditional media, and you mess up, you're like, ah, crap, I can't fix that as easy. It's just, And then there's when you're working with traditional media, mm-hmm. your hands wander to the undo button, and you hit it like Command Z that doesn't exist. That's always fun. You're just like, yeah, mm-hmm. I've been working in digital a while now, so. Yeah, so we introduced Command Z in Photoshop just a few months ago, huh? You introduced Command Z in Photoshop? Yeah. You remember you had to go you back? Did? No, not me, but Adobe. Adobe. Yeah. Oh, you're talking about globally then. Globally, yeah. So you guys were the first to have the undo button? No. Like, you had to always go back in history in Photoshop to go back. You had to do Command Shift Z. Command Alt Z. Command Alt Z to go back in history. Now you can just do Command Z. Yeah. That's for the newcomers. Oh, good. Yeah. Oh, good. Because that. So they don't have to really learn tiresome. an extra step. Yeah, well, DuckTales is actually a project that I really wanted to get on because it was on my bucket list to one day work with Donald Duck, mm-hmm. who I've just loved during all childhood, mm-hmm. Growing up. He was my favorite of all of the Disney, the main five, mm-hmm. Mickey, Goofy, Donald. Donald was always my favorite. From time to time, I'll get to do a little bit of scratch track if they need something on the show, which is a lot of fun. And then occasionally you get a good Donald Duck fit, tantrum, meltdown. I got to do a little bit of that for season two of DuckTales, which all of you that are watching this should go watch that show because it's really great. So do you get like a playbook or something? Like, no, not a playbook. Like, do you get like guidelines to draw Donald Duck? Or like, absolutely. Do they expect you to come and already know what Donald Duck looks like in any position? No, we have model sheets, mm-hmm. that we draw from.
You have to. Mm-hmm. I mean, because there's so many people working on an animated show, you have to have sort of a standard to mm-hmm. operate from. And the art director, the original art director, Sean Jimenez, when he was working on solidifying the style, they took from the Carl Barks comics, which DuckTales is based on, mm-hmm. the original show. Originally, they were just, Donald Duck comics, and I think that's right. Hopefully somebody will correct me if it's not. But it was a Donald Duck comics and then Uncle Scrooge comics. Mm-hmm. And then, you know, the nephews were there as well. Mm-hmm. And they all went treasure hunting and doing different things. But there was an interesting thing about Donald Duck in the comics in DuckTales as opposed to Donald Duck, the character, mm-hmm. because in the comics, it was just types. So you could say anything and be mm-hmm. be whatever and not be limited by the voice acting, mm-hmm. and what Donald can say and what's mm-hmm. easy for him to say and what's not. So that was a really interesting thing. In the end of DuckTales season one, the writers and Matt had come up with the idea of the Barksian modulator, mm-hmm. and they got Don Cheadle to come in and do Donald's normal talking voice. So that was really, really fun to watch. So Gyro, if you're familiar with the show, Gyro is Scrooge's inventor that works for him. Okay, yeah. No, they changed names from Gyro country Tierloos, to country. From country to country. We actually were in a meeting not long ago where they were showing like the different names these characters have. Names. Yeah. Mm-hmm. And one of them was interesting because I'm a Huey. You normally spell like this with H-U-E-Y. And then mm-hmm. Dewey is like this. But one of the countries, they just decided to write Huey, copying the Dewey, which was really funny. One of our directors pointed that out. So that was pretty funny to see all the different things that, because I mean, they call one of them here in France, I think they call him Fifi. Yeah. Was like, okay, that sounds like a dog to me, but. And I was just gonna. And in Italy, they're called qui, quo, qua. Qui, quo, qua. That's their names, yeah. In Italy? Yeah. Oh, all right. So what's the question? Oh, the question is, which animators have inspired you and motivated you to follow that path? Well, there are a few animators that I've worked with, and some that I wish I could have worked with. Originally, it was Disney's Nine Old Men that got me mm-hmm. Kind of wanting to follow that path. In high school, when I was thinking, like, I knew I wanted to work in art professionally. Mm-hmm. I didn't know which side of it or what aspect of it. But I eventually, and why is this move tool not working? Oh, well, I'll start over. Then went and saw out and saw The Lion King, and that kind of solidified, well, I want to work in animation. Mm-hmm. And so then I doubled down on everything and started like really getting into like what I need to do to get there. Mm-hmm. And then you get all these art books about like, mm-hmm. you know, I got like The Art of Aladdin, and that's when I discovered Eric Goldberg's work, mm-hmm. and I eventually got to work with Eric, and he is amazing to work mm-hmm. with, because just watching him draw, it's mm-hmm. it's almost like just this this gentle symphony of mm-hmm. lines that just coalesce into this amazing, amazing mm-hmm. thing. I've always been a fan of James Baxter's work, which is always very intricate and flowing. Ollie Johnston was one of my favorite of the Nine Old Men. A lot of his work just has so much feeling in it and so much emotional content. Mm-hmm. There's a lot of different animators I get inspired mm-hmm. by. And it's great because, you know, when you get to talk to another animator, you really feel that sort of camaraderie with each other as far as like your... Yeah, it's the same path and it's probably the same battles that, you know, that you had to go through and same suffering. I mean, and also, you know, comparing notes about mm-hmm. like what works and what doesn't and mm-hmm. what's worked for you and
You know, timing is always a big thing that people like to talk about, because timing can be really subjective and really objective depending on what you're going for. I mean, there's certain formulas that you can follow, but mm-hmm. formulas often lack the life of mm-hmm. Of something. If every time he's like, oh, this action takes 6 frames, mm-hmm. regardless of whether or not it should move faster or slower, then that can be a problem if you just pin that down to one particular thing without question. But in animation, sometimes you just have to feel that out mm-hmm. and get it so where you feel the motion of something. Mm-hmm. So it's intrinsic and organic. As opposed to just a system of formulas that you have to follow. And I think that's also like, you know, there's like today there's this whole discussion about, you know, AI taking, artificial intelligence taking away a lot of jobs. And I think creativity and things like that are the kind of jobs that are very secure because artificial intelligence, you know, doesn't have that feeling that you were talking about yet, Rufus. It doesn't have it yet. Yeah. Okay, that's what everybody tells me, but I'm an optimist. Well, that's great. That's amazing. You should keep if, that if, optimism. If I were studying maths, you know, then maybe I would think, okay, that maybe a computer can do that faster and better. But drawing. Well, there it is. Drawing. You know, I've always loved drawing. Hmm. There are times when I haven't been as focused in drawing, because everybody goes through, sort of burnout, I guess you would call it, every so often. And that's a normal thing. So if any of you are struggling with a little bit of artistic burnout, just you're not alone, even though you may think you are. But I almost akin it to like a delusional paranoia, you know, when you think that... that you're not good, that nobody's calling you, that you don't, you know, that it's not going anywhere. Imposter syndrome. Also, yes. Yeah. Yeah. Mm-hmm, mm-hmm. Yeah, yeah. 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 I've had my bouts of imposter syndrome too. I mean, and the internet, I think, sometimes can compound that mm-hmm. for a lot of people because, it's easy to just look at a bunch of people's work and you're just like, all right, why am I even trying? Because these guys are so amazing, you know? We watched Goro Fujita earlier mm-hmm. draw in VR and he was just like, bam, 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 like this crazy wild man that was putting on a show. It was almost like watching the circus entertainer perform in VR, and it was quite amazing to watch. Mm-hmm. I mean... But you have to realize that he's been doing that same thing. And this is what he told me yesterday. He said, you know, like when people ask me, you know, like how did you get so talented? He said, no, it's my years of experience. You know, like my years of everyday sketching, my years of everyday doing something. You know, and So, absolutely, and you have to. Yeah, you really do. And that's another thing I think that happens with a lot of people is that. You know, they give up on their dreams like way too early. They're like, oh, I'm not progressing as fast as I want to, or I'm not progressing as fast as this person is. Mm-hmm. And they just kind of stop and they give up. And you can't do that. The only person that you can really compare yourself to is yourself and how you were in your artistic journey and go on forward with that. Absolutely. Yeah, so that was Goro yesterday. That was an interesting comment. Is like he was really insisting on that you know, or when people ask him, you know, how do you know that the light hits there, or how do you know the shadow goes here? Well, 15 years of doing it, you know. You look outside, man. See where the shadows fall, and where the light hits. And that's another thing about like art. You know, in my talk, I talked about like how Hayao Miyazaki had mentioned one time that. He worries for the you know, animation because people are making films based off films. They're not making films based on their own life experience. How Goro knows to where the light goes because Goro probably, knowing him as a keen observer of the world around him. And as, you know, artists should be. They should be students of
motion in life. They should be mm-hmm. students of reality, mm. I would say. Absolutely. And then yeah. translate that into their mm-hmm. work. Bringing what you have to offer that mm-hmm. no one else has to offer mm-hmm. into this artistic environment. So we always start with these very like pencil looking like sketches, and then do you start also coloring them in, or like? No, I hardly ever color anything mm-hmm. in for DuckTales, you know, working on the show. Mm-hmm. Because that's just not my job. Mm-hmm. Okay. And we have some amazing color artists that work on the show. Mm-hmm. And if you're curious about who they are, look in the credits and then mm-hmm. look up their work. Yeah. Because, you know, there's a lot of really, really great artists that you can find that work on in animated shows. Mm-hmm. You know, sometimes I feel like they don't get enough credit for what mm-hmm. they do. Even if it's like a small part of the show, everybody mm-hmm. works on the show to make one whole. Mm-hmm. Even if sometimes maybe you feel like your job is smaller than mm-hmm. what it could be or should be. Mm-hmm. But you know, it's teamwork. It's teamwork. It's exactly teamwork. Mm. So, for example, in this instance, Donald Duck picking up a fight. Not like, is it picking up a fight? Yeah, it looks like he's picking up a fight. Yeah, it's just classic. Mm-hmm. Yeah. Classic Donald tantrum, you know, fight fit. So you give this initial position, and then what happens with the drawing? Like, do you also give the following position, or like, how does that happen? Well, when I'm animating, mm-hmm. I don't think you guys have Stefan's plugin. Yep. Animdesign? Oh, no, maybe I don't think it's. I don't think it's set up. I don't think we installed no. it. No, okay, that's all right. You use that. Cool. Well, I've seen it. I haven't used it mm-hmm. in like professionally, mm-hmm. but that I think would be a great thing for, you know, people interested in animation that mm-hmm. have Photoshop to pick up. Definitely. Because it will help them, mm-hmm. You know, work on stuff mm-hmm. without too much trouble. And we have Nuku who's asking, how many artists actually work on DuckTales? How big is the crew? Say? Is what they want to know. Between 30 and 40 people, mm-hmm. possibly up to 50 mm-hmm. in some cases. I'm not sure how many freelancers that mm-hmm. we have going on at one time. So you actually go to the office, or yeah, we go to the office. There's a studio. Work from home or? There's a studio in mm-hmm. Southern California that we go to, and everybody comes in to work every day. Every mm-hmm. once in a while, I get to work and telecommute. Mm-hmm. Because you know, Disney sometimes encourages that sort of thing to happen. To work at home. We work at home if Fridays. You know, from every so often it's fine. Yeah. But generally, it's such a collaborative medium mm-hmm. that everybody has to be in the office for stuff really to get done. And that's, you know, part and parcel of working animation. It's such a collaborative medium, and it requires so many people to make things mm-hmm. to make these half an hour shows. Yeah, yeah, yeah. You know, so many hands touch it, and so mm-hmm. many people are involved in it mm-hmm, mm-hmm. That we kind of have to all be in the same place. Mm-hmm. Yeah, and I imagine there's like a storyboard or something that everybody knows what they have to be doing. We have directors. There's three directors: mm-hmm. Tanner Johnson, Matt Humphreys, and Jason Zurich. Mm. And our EP, Matt Youngberg, and our story editor, Frank Angones. Mm. And there's four writers. And there's a staff of designers. There's you know, color people. Mm. We have editors. We have background people. Mm. I mean, there's the list goes on and on. Mm-hmm. We do color script mm-hmm. on the show. So our color script, I think Kaz... Aizawa is our color script guy, mm-hmm. and he goes through and kind of like gets the emotional content of Rachel Young might be our color mm-hmm. scriptist. Anyways, one of them. I'm sure they kind of mm-hmm. take turns. They share an office. It's mm-hmm. fine. Go ahead. But they get kind of like the tone and emotion of the colors for the show, and then the color people will base their work off you know, the more concrete, we're sending this, we're shipping this out sort of thing. Mm. So
So that's the old show. That's the old show, yeah. Yeah. Let's see, is there the new show? Let me see. Right here, yeah. The theme song. This one here? Yeah, that's the new show. So we so it's we speaking the Dutch mm-hmm. script. Yeah. You see a lot of this stuff with the comics panels because it was so heavily influenced by the original comics. The Carl Barks stuff specifically, and maybe to some degree the Rosa stuff as well. But Donald in this one plays the kind of a role of a protective surrogate father for the nephews. Yeah. And that's a really interesting thing to me because it gives Donald a certain pathos that sometimes you don't see him have in other things. Yeah. Especially contrast that with his character in the Mickey shorts where he's a little less concerned about other people than Donald. But it's awesome. Yeah, it's a really good dynamic that they have, and Frank and Matt fought really hard to have the nephews not just be carbon copies of the same duck. Yeah. You know, that was something. So now, that now you really you've just in. Moved the layer back and made like a tracing layer. Yeah, this is sort of a cleanup layer, and then you know you can also just take that image and flop it. Let's see, transform, flip horizontal. And a lot of the time when you flip something, you can expose its flaws and its weaknesses. And it's like in the painting studio when you use the mirror to look at your painting. Yeah, absolutely. Absolutely. Talking about traditional media. Yeah. It used to be a mirror, and that's why it's called mirror something. Yeah, mirror imaging. Yeah. Then, of course, there's the rather vain artists. They just get lost in their own eyes and they stop painting. Yeah. So don't do that. But, So what else should we talk about? What about the chat? What do you guys want to talk about? The chat is very quiet for a Saturday evening. I think we just should continue. We have learned, 10 minutes? Saturday entrance, yeah. 10 minutes is good, okay. What do you mean? Yeah, do we free you at any moment? Why? No, rain. Ah, no. Free Rufus. Sounds no, like he thought I had something else to do on stage, but no. Not today. So you're no stage for Rufus. You're free and clear. Yeah. Yeah. So when we draw the ducks, we kind of have to build out that cranium shape, and this isn't a perfect drawing by any means of the imagination, but you know you build those shapes into what you're doing, and you know that this beak sort of hinges a certain way on the face, and then this sort of flap comes down. And in traditionally, the Donald's beak, you would have it be like this, and then it would almost wrap around like that. And then, you know, you'd have this sort of setup where it becomes situation like this where it wraps around the head. And they simplified it for this where we just go straight for a little bit more of an angular setup. And in the original style guides, it harkens back to the work that Milt Kahl did on World of Color back in the day. So it's a mixture, a marriage of the Carl Barks, and then of the Milt Kahl work that was just so prolific and inspiring. So do you think it's a stylistic choice or is it like a simplification choice? Well, it's absolutely a stylistic choice. I mean, DuckTales does
we try not to skimp on the artistry of the work. You know, especially at Disney TV animation, people expect a certain amount of quality from a Disney cartoon. You know, when they don't get that, people think, what? Why, you know, and they don't understand why it's not, you know, the most top quality thing. And that's an expectation that we all take very seriously, that people do have an expectation of our work and people do have sort of a standard that they will hold us to. That they expect. Yeah, absolutely. Yeah, so we try and be very conscious of that. So, you know, we don't disappoint the you know, the fans. What's kind of nice is that a whole new generation of people and kids are... Comanche? Yeah, Comanche! That's right. Are learning about DuckTales and learning who these characters are and getting to know them all over again. And people who watched the original show are getting to show it to their children and to their, you know, their families maybe who didn't catch it originally. I don't know if this existed in the rest of the world, but in Italy, when I grew up, we had these books with the three nephews, Qui Qua Quo, in Italian, and basically there were books like like Topolino. Giovanni Marmotte, it was called the young. It was like they were like Boy Scouts, and they had like all these little. They're explaining tips and tricks to build a treehouse or to make like an experiment or things like that. So I used to spend all my summers with these books, going through every mission that was given to me. every task, every craft. How many tree houses did you end up building? Ah, no, just one. But like that's, just the one. Just the one. It was only in the book once. Yeah, and then they have all these experiments that you could do. It was pretty cool. Oh, that's great. Did they see Ludwig van Drake at any point in those? No, it wasn't actually a story. It was more like a collection of cool stuff that you can do in nature. Oh, that's great. Yeah. Mm-hmm. That's great. People definitely need to spend time in nature. Going back to, you know, people being present in the world around them and observing life as it happens and observing the patterns. Yeah. I mean, that is so important as an as an artist. In you know, talking with the people here at IAMC, I mean, putting yourself into your work and doing stuff that reminds you of somebody you know, or doing something that is based on your own life experience. I mean, no one else has that. You have the experience that you've lived in your life, and so going out and being part of the world around you and being part of nature and being involved in the sociality of life is so important because that's where you can pull a lot of your inspiration from. Yeah, you see, and this is what keeps me optimistic, because you know all these human skills are needed, right? And in the creative process. And and I like I told you, I do a lot of Adobe TV. We're like streaming a lot in the U.S. almost on a daily basis. In Germany, we have a monthly 3-day stream. Frank here does it almost on a weekly basis. Yeah, in French. And I've met really hundreds of guests who've streamed with us, and you know and it makes me feel very positive, because everybody has a good message. Positivity is huge. Mm-hmm. Positivity is huge in a lot of different ways. It's necessary if you really want to keep a good outlook on things. I mean, there's some people that all they do is just dog on their own work, you know, instead of maintaining that attitude of maybe it's not good right now, but it will be. Yeah. You know, and not rage quitting the first sign of an artistic problem. I like that, rage quitting. Yeah, it's the gaming term, rage quit. Okay. Where you're losing a fight and you just flip the table over and. Very Donald Duck. Donald Duck is definitely a rage quitter.
But in this particular show, you only really get the rage when the family is threatened. You know, otherwise Donald is very protective. You know, but he has his very Donald things that he does, and you know his conflicts with Scrooge, due to some past baggage. Yeah. And that was a really interesting interesting dynamic to see them in the first episode estranged as much as they were. And the nephew's not even knowing who Scrooge is. Like, we're related to Scrooge McDuck? Oh my gosh, the richest duck in the world? And they didn't even know that he was their great uncle, I assume? Yeah, I think so, yeah. The family structure with Donald and... Now revealed, Donald's sister, Della, who is awesome to work with. I've had some instances where I was able to animate some shots of Della. And it's a really fun character to work with. And I say work with because... Of course, the four fingers. Yeah, the four fingers. Yeah. It was originally, I think, instituted as a cost-cutting measure. Just easier to draw for a lot of people. But it's become second nature to you now. Yeah. Well, I mean, if you watch some of the old Chuck Jones stuff, he talks about how if a picture had a big budget, Bugs Bunny had three whiskers on either side instead of just two. It's like, oh, we must have had a real budget on that one because... You know, the animators really kicked it up a notch. Each frame was two more lines. Yeah, exactly. That adds up, though, if you're working in the tens of thousands of drawings, you know. That's fun. So in my talk, I was talking about being able to be efficient in your board work for TV because you have the big two giant obstacles. You have, time and money. You only have so much budget you can work with, and you only have so much time before you have to premiere. I never thought about that, but that's right. I mean, you know, every line less is a second gain somewhere, I guess. Yeah. Yeah. It's the production process. But I mean, you can't like skimp on the artistic quality, because, like I said, there's a certain expectation that we have to live up to. As you know, as Disney as a company, as Disney as an artistic force in the world. So. And there's Tim in the chat. Tim is our moderator in Germany and on the American streams as well. Who's Evil Cerise? That's him. That's Tim. Oh, that's yeah. Tim. Yeah. So okay. Hi Tim, how you doing? I was streaming from Germany from Tuesday to Thursday this week. Yeah, and he's always been there, very helpful. Well, I'm glad Tim's been very helpful. One of our designers on DuckTales is named Tim, our lead character designer. Okay. Boom. So. What happened here? Earthquake. Earthquake? No. There's no earthquakes. Okay, no. Good. No, well, no. I'm from California. I know. Earthquake is like, another earthquake? Okay. Poor choice of words. Yes. It's like, oh, no, we're underground. There's an earthquake. Oh, we're totally hosed. Actually, that would probably not be correct in this particular instance. What did you correct? Oh, the... There's these lines that help us connect Donald's and all the ducks, really, their legs to their bodies. And just... They get like... A small barrier. Under the plumage. Yeah, under the plumage, essentially, yeah. Mm-hmm. Under the feathers. But... So did you spend a lot of time like drawing Donald Duck to get to be able to draw him perfectly? I mean, my whole lifetime, I've spent a lot of time drawing Donald Duck or drawing a bunch of different characters. Yeah. So, I mean, this is one of the characters that I just enjoy, so, you know, more than some of the others. But there's other characters on the show that are also really fun to work with, I guess you would say. I always like drawing Louie. I think out of all three of the nephews,
I relate to Huey and Louie the most. Mm. Huey because I'm the oldest child in my family, and you know I like to you know delve into intellectual pursuits or you know and stuff. I told my wife this year I'm gonna buy a 3D printer and start learning how to use that as a new fun artistic medium to work with. Keeping abreast of that technology. Mm-hmm. I'm just going to get an FDM printer, nothing resin fancy or expensive. No, I mean, these printers, like, they're super cheap right now. And I think it's a nice thing to explore. Absolutely. Apparently, it's going to be a household item sometime soon, they say. Yeah, that's the goal. I need a fork. Okay. Yeah. Well, I mean, there's certain considerations that you have to do even for a fork. I mean, you have to have the model. You have to have the right kind of food grade plastic plus the right grade nozzle, or you're going to be essentially eating your way to being poisoned. So a friend of mine, this gentleman that I've been friends with for years and years, is Frank Zambek. We went to middle school together and got connected over art, and we made some 3D printed Christmas presents sometime back. I called him up and said, "Hey, would you want to do this with me?" And he said, "Absolutely." So I sent him some artwork, and he printed out some cookie cutters. Okay. But he had to have a certain type of nozzle. Yeah, of course. So you're not with every new cookie, you get a little bit poison. So. But it's that sort of stuff and the technology that is always emerging from the technology sector is fascinating to me. You know, everything that Adobe's up to, everything you see in, like, the hardware side of things. Of course, VR has been a real big force for me. Yeah, you can do some pretty cool 3D stuff in Photoshop and send it right to your 3D printer from Photoshop. Or use, you know, the third party service that'll print it for you directly from Photoshop. Oh, like Shapeways or whatever. Well, that's great. Yeah, and that's always nice to have something that's familiar, that's sort of like a one less barrier to entry. You know, 3D tools are, I think, becoming more accessible, especially with VR, where I think that VR kind of removes a big barrier to 3D stuff because you're interacting with things a little bit more naturally than you would. And yeah, no, they're talking about your creative, they want to build a Creative Cloud cookie cutter now. Did Stefan make a cookie cutter? He did that. He did it. All right. I didn't realize he baked. A poisoned one. A poisoned one? He's using the brass nozzle? Yeah. And what was I going to say? Oh, yes. We're talking about VR. And so I think that we're going to see AR, like augmented reality, come in much quicker than VR. Because VR still requires the helmet. And I see slower adoption for that rather than starting to see, you know, augmented reality. I think you used the VR and AR in different situations. I think VR is much more immersive than AR is because you can basically be transported into another space, another reality, as it were. AR, I feel like, is definitely very functional in its approach. And it can fun be very because, artistic as well. Oh, absolutely, it can. You know, talking about, like, the idea of virtual tagging is interesting to me, where you'd be able to do street art and not actually affect the building. But depending on the app or whatever you have, somebody looks at that area and sees the artwork that you've created on there. And nobody has to... Nobody's going to take it away from you. You know what I mean? Because if you're working on a wall, it's, you know, as bad boy and awesome as it could be to go out and do some crazy tagging, somebody's going to come back and paint it over. You know, when they're like, "Ah, this vandals," you know, and they grab their paint bucket and go and paint it over. In the virtual space, though,
you can go do that, and unless somebody's got the glasses, mm-hmm. nobody's wiser, you know. And you're still not affecting, actually physically affecting somebody else's property. So I think AR has amazing potential for that, and I think it is very practical in a lot of ways for training and for introducing people mm-hmm. to a lot of different ideas. But VR I really like as a medium because I feel like it can do things that AR can't do. And AR does some things that the VR can't do. Yeah, absolutely, yeah. So I don't think it's an either or situation. You know, like Adobe had a VR application back in the 90s called Adobe Atmosphere. Yes. And that was the reason I bought a PC for my studio at the time, just to try that out. It was awesome to be able to create these virtual realities. Yeah. But of course, it was way ahead of its time because there were no headsets. You could like travel, you know, in 3D things and on the screen. But then, early 90s, there was also very little distribution for that sort of stuff. You know, internet was what it was, and so way ahead of its time. But there was Adobe Atmosphere, yes. Maybe they'll bring it back now. Maybe they'll bring it back. We have like a billion people watching this chat. Right? Yeah. It's going to be a little bit polluted atmosphere right now. Yes. So you'll be almost single-handedly responsible for bringing Adobe Atmosphere back. We have other things now. Yeah, we have Adobe Dimension now, which is a 3D It's a 3D application for non-3D designers. So you can't actually create 3D objects, but you can manipulate 3D objects and put textures on them and cast the right shadows on a 2D image and things like that. Oh, that's great. So that's pretty cool. I think a lot of people were intimidated by 3D. Mm. I know I always was, yes. And still am in a lot of ways. So getting that barrier to entry further and further and further down, I think is only going to help it proliferate as people become more familiar with the technology and the technology becomes easier and more intuitive to use. Do you use any 3D like in DuckTales, like for some shots or some elements? I mean, the plane that we have, the Sun Chaser, as it's called, or the Cloud Slayer, if you talk to Della. Don't know if that's been released yet. We should probably strike that. Okay. But the Sun Chaser is the name of the plane that Launchpad flies. And it was a 3D object. Makes it easier, no? To frame by frame, like take it out, the image. That's a compositing and animation thing. I can't speak to that. Okay. Awesome. Well, Mike, thanks for spending an hour with us and drawing Donald Duck in a feisty position. So what's next? You're here at the conference. Do you have your talk already? Yeah, I did it this morning. Okay. Do you have another one? Nope. So just the ready, one. Ready just to the just one, so enjoy. I'm just relaxed. Just enjoy Paris now. And thank you again for coming. And we will see all of you. On va tous vous revoir demain matin. À quelle heure? Non, demain après-midi. À 13h, de 13h à 17h demain, par contre. 17h30, hein? Ouais. Ok, il va mettre le programme, voilà. Patrick O'Keefe. Moi, j'arrive pas à lire, là. C'est trop loin. Non, remets. Je te le remets. Patrick O'Keefe, Paul Chalesson, Caroline Attia, Stéphane Baril, de nouveau, Gaëtan Velser et Aoulad Messoud, et Alexis Briclot. Alors, revenez tous demain à 1h de l'après-midi, à 13h, on recommence. Salut!